Quand je suis passé au bout de 40 minutes d'attente. En vrai genre j'ai pas voulu passer parce que j'avais peur que genre il soit de derrière le camion, je sais pas, genre je savais pas ce qui se passait donc j'ai pas préféré passer. Après genre j'ai vu personne bouger donc j'ai vu personne bouger donc bon, je me suis dit que c'est bon, y'a rien quoi. Bon l'équipe. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, sur Snap et tout. Des fois je mets des petites stories en cross, etc. Mais pourquoi je le sors pas en vidéo? Le seul problème c'est que je sais pas comment le transporter en fait. Parce que dans le Kangoo il est trop petit. Du coup là c'est la merde. Allez hey, je tombe que sur les casses aujourd'hui. Ouais du coup ouais, je disais. Genre on reprend la conversation en Y. Du coup en fait genre, dans le Kangoo en fait il est trop petit en fait. Donc du coup moi là j'ai une remorque en fait que je suis en train de refaire, que je suis en train de repeindre, poncer, etc. Et du coup j'attends qu'en fait ma remorque en fait elle soit prête pour au moins après le Kangoo, après le croche pour le, je pourrais le sortir en légalité. Tu vois genre ce que je veux dire. Moi j'aurais pas besoin de rouler sur la route, pas de flic au moins. Voilà. Moi je pourrais en faire que sur terrain. Au moins, voilà. Moi j'aurais pas de soucis de rouler sur la route. Au moins je nique pas mes pneus. Au moins je nique pas mes pneus, je nique pas tout ça. Au moins c'est plus tranquille. Et voilà. Parce que de toute façon même si je fais du cross bitume, ça sera plus en rassemblement et tout. Ou sinon tu sais sur des routes fermées ou quoi. Mais je compte pas genre rouler ici en cross quoi. Tu vois, je compte pas le sortir ici quoi le cross. Parce qu'en fait genre, le problème c'est que moi les flics en fait, moi là tout ce qui est police et tout en fait ils me connaissent par cœur en fait. Ils savent très bien où j'habite, ils savent très bien comment je m'appelle, mon nom de famille, ils savent tout en fait de moi, ils connaissent mes parents. Donc pourquoi je sors pas le croix, je l'ai sorti juste hier 5 minutes derrière chez moi. Et franchement je peux vous dire les gars que ça tire vraiment pas mal. Ça tire pas mal, ça tire pas mal. Le 125YZ là, franchement un avion. Bah les couilles, hein. Pop, 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 pop. Une voiture là qui fume là mon pote. Comment il y a autant de monde là? Le pote fou le mec. Oh là ça. Oh là là. On fait pas du cross nous. Maman là tu sors le cross là. Laisse tomber. Ça cabre ici quoi. Oh. Au calme. Vous voyez les gars pourquoi je veux trop une cross. Oh. Ça m'a fait un truc bizarre les gars. Même.
Regardez, vous voyez pourquoi il me faut un cross et pas un scooter. Parce que même avec le scooter, je fais du cross. C'est bien ça le problème. La seule raison pourquoi il me faut un cross, c'est pour celle-là. Ah, le scooter, les gars, il voulait pas tourner. Genre incroyable. Pas compris pourquoi il voulait pas tourner, mais il voulait pas tourner, le con. Hein. On va voir s'il veut pas tourner. Mais ils ont mis des dodanes, frère, tous les 10 mètres, frère. Ah ouais, mais je sais pas ce qu'il a, frère, le pneu, gros. Je crois qu'en fait, mon pneu, je crois qu'il est tellement lisse qu'en fait, je crois qu'il veut pas tourner, en fait. Genre, il adhère carrément plus, en fait, à la route, tu vois, genre. Ouais, mais en vrai, il fait froid, sa mère. Oh. Mais me dites pas que c'est pour moi, les gars. Parce qu'à tout moment, frère, on m'arrête, hein. Oh ben, il y en a une autre juste là. Nickel. Nickel, nickel, j'allais accélérer, au final, ben voilà. Au top du top, ça. Franchement, les gars, vers le final, c'est blindé de flics, c'est incroyable. Bon, du coup, voilà l'équipe, pourquoi je sors pas le 125YZ, c'est parce que j'ai vraiment envie d'être en règle. Parce que là, avec toutes les lois, toutes les courses-poursuites qu'il y a dans la France, du coup, j'ai pas envie d'avoir des soucis, moi aussi. Sachant que je sais pas trop pilote non plus, tu vois, donc si ça part en course poursuite, il y a moins que je tombe au point mort et je sais plus passer la première, tu vois. Les gars, j'ai tourné ici parce que là-bas, généralement, c'est là-bas où je lève, mais vu qu'il y a la PM et tout, du coup, je pourrais pas lever, donc je préfère passer par un autre chemin où je pourrais aller lever un petit peu tranquille, sans avoir d'amende, sans qu'ils mettent des gyros, là. C'est pour ça que j'aime bien mon scooter. Parce que regardez, 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 je vais même pas tirer. Regardez. Voilà. Genre, je suis au feu rouge, j'accélère, ça fait ça. Après, j'ai juste un peu à gérer et voilà. Et après, ben. Après, ça finit en cabrette, quoi. Et vous avez même pas besoin de tirer ou autre, c'est. Voilà. Après, c'est comme ça qu'après, on fait des lignes droites, quoi. Enfin, on fait des lignes après comme ça là. Bon là je ralentis parce qu'il y a beaucoup de trous là. Du coup pour ralentir t'as juste mettre en I. Là, tu te mets en I, t'arrêtes d'accélérer. Et après là tu gères avec le frein et après ben. Après là tu ralentis. Après t'as de prendre de la vitesse, tu reposes un peu la roue et après là tu fais l'inverse en fait, tu fais quoi accélérer. T'arrêtes de freiner, tu fais quoi accélérer. Voilà. Après, quand t'as compris ça, bah après tu peux accélérer, tu peux freiner en cabron. Voilà. C'est comme ça que je suis hors de danger. Même s'il y a une voiture qui pile, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Tu te mets un I, sa mère, mon pote. Tu te mets un I, c'est mort. Genre vraiment, genre tu te mets un I. Gros, tu gères que avec le frein. Je remarque qu'après, ça freine. Après, tu ralentis, gros, t'as l'arrêt, frère.
T'as vu frère les gars, mon scooter, moi j'accélère ici. Mais après c'est quoi l'arrêt? Parce que regarde, là genre là j'accélère, tu vois il a la patate, tu vois. Mais après genre là il faut que je donne le petit à coup et tout. Si genre je donne pas la coup, y'a rien quoi. Regardez, tu sais quoi, genre je vais vous montrer par exemple, genre vraiment pour freiner de ouf. En fait, regardez, genre là je vais cabrer de ouf après. Et regardez, genre je vais me mettre en i de ouf. Genre sans me faire frotter la bavette, hein. Mais regardez, genre je vais juste vous montrer. Vous allez voir comment ça freine. C'est incroyable. Ça freine, mais à une vitesse, mon pote. Mais après, genre là, il faut bien gérer le frein là. Regardez, genre je vais vous montrer là-bas, au bout là, parce que je sais qu'ici il n'y a pas trop de voitures. Regardez, genre là, je prends que de la vitesse là. Pour ceux qui veulent savoir, regardez, je freine pas. Regardez, genre là, je vais commencer à freiner là, regardez. Genre là, je vais me mettre en I là de sa mère, regarde. Hop. Là ça gros. Voilà, je suis déjà à l'arrêt. Voilà, c'est bon gars, t'as vu, genre je suis déjà à l'arrêt. Après là tu reprends la vitesse et regarde. Hop. Je suis à l'arrêt. Genre en fait genre tu peux limite j'ai pas envie de dire piler tu vois, mais vraiment genre tu peux freiner mais genre de malade gros. C'est pour ça qu'en fait il faut toujours, parce que tu vois il y a genre un temps quand même, genre tu peux pas freiner comme ça. Genre d'un coup tu vois. Tu vas toujours avoir je sais pas, tu vas toujours avoir 5 voire 10 mètres de différence que si genre t'avais genre les deux roues au sol tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours anticiper ce que tu vois en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours être attentif. C'est pour ça qu'il faut toujours contrôler sa vision en fait. En vrai genre la chose qui va vous faire réussir en fait à lever, c'est les yeux en fait. Parce qu'en vrai genre moi je connais moi des gens qui savent cabrer gros, qui font des Paris-Marseille gros tu vois. Pour rigoler hein. Ah les gars j'ai priorité à droite là frère hein. Ouais. Eh, priorité à droite les gars. Bref, donc ouais je disais, tu vois, genre moi j'en connais plein moi qui savent lever. Mais dis-leur frère de ralent, gros, il y a genre une voiture gros qui est pile, la vie de ma mère il lui rentre dedans. Pourquoi? Parce qu'il a pas, il regarde pas gros ce qu'il y a devant. Tu vois. L'importance gros c'est pas de lever, c'est pas de savoir faire des bavettes ou quoi, c'est de savoir contrôler sa machine au moment précis en fait. Moi c'est pour ça que moi j'aime bien sortir en scooter, parce qu'en vrai genre moi mon scooter moi je le maîtrise à fond tu vois. Et du coup si je suis autant libre en fait que si genre j'avais genre les deux roues au sol en fait tu vois, quand je l'ai genre et tu vois genre même aujourd'hui j'en apprends encore des choses, alors que ça fait 6 ans frère que je lève tu vois. Mais j'en apprends toujours, tous les jours gros j'en apprends. Des fois genre je me dis ah ouais ben tu vois avant j'arrivais pas à le faire, enfin je savais pas que c'était comme ça. Et maintenant tu vois genre je sais le faire tu vois. Du coup en fait genre je trouve ça ouf. Et pareil tu vois genre comme ça, regarde tu vois genre là je freine pas, j'arrive de freiner, regarde, je me mets en I. Tu vois. Wow. Ouais, désolé frère, j'ai voulu essayer un truc. Il a eu peur. Tu vois, genre là, je suis en train de ralentir. Voilà. Tu vois, genre là, j'ai ralenti en tournant, tu vois. Après, voilà, après il faut s'entraîner. Hein. Enfin, c'est que moi, je sors pratiquement tous les jours pour ça, tu vois. Donc franchement l'équipe, franchement moi, essayez pas de faire des bavettes directement ou quoi. Essayez de bien contrôler votre machine au bon moment en fait. Tu vois, et bien anticiper les choses, genre les voitures, ce qui se passe, les piétons, les dodanes, les défauts de la route. Mais,
genre les défauts de la route, par exemple, genre, si vous voyez un trou, ben hop, anticipez juste avant. Genre tournez pas au dernier moment, tu vois. Genre en mode je sais pas, il y a genre un trou là, ben hop, vous allez faire comme ça. Vous allez pas faire hop, tu vois, genre au dernier moment, tu vois. Parce que là peut-être vous risquez que le que la roue arrière peut-être elle tient plus, tu vois, genre je sais pas, qu'elle fasse de la merde ou quoi. Du coup voilà, c'était mon petit tuto wheeling. Du coup voilà l'équipe, du coup ben façon moi je vous tiendrai au courant sur Snapchat et sur Instagram. Donc franchement n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Snapchat et sur Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et à partager ma chaîne. Façon tous les liens de mes réseaux sociaux sont en description. Voilà. Et surtout n'hésitez surtout pas à me suivre et m'envoyer des messages si vous genre vous. Si vous voulez. Putain, j'arrive plus à parler. Si genre vous voulez m'envoyer votre machine, votre moto, scooter, voiture, envoyez-moi tout. Et du coup, voilà, moi j'ai plus d'essence, je rentre chez moi, j'ai froid. Et sur ce l'équipe, moi je vais vous laisser. Ciao.